Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi... Non, je dis bêtise. Nous sommes le jeudi 30 novembre. Et il est actuellement 9h, 9h15 à peu près. Là, je me suis levée vers quelle heure? Vers 7h à peu près. Je me suis levée vers 7h. Voilà, tout va bien. Les nuits se passent beaucoup mieux. Ça fait 2 jours que Logan en fait ne fait pas la sieste l'après-midi, fait une sieste le matin, une grosse sieste le matin, mais même je le couche vers il s'endort du coup vers 10h. Il dort à peu près jusqu'à 12h30 et donc du coup après l'après-midi il ne dort pas et du coup il s'endort vers 9h, ouais 9h à peu près, et il fait une bonne nuit. Il se réveille quand même dans la nuit vers 3h du matin, je le prends, voilà, il a toujours quand même le stress de la nuit qui est là, hein. Il a toujours le stress de la nuit où je suis, où je ne suis pas. Vous l'entendez, il est en train de jouer parce que le matin, en fait, je suis sur le balcon et on joue au jeu d'eau. Voilà, je profite qu'il fait moins chaud, en fait, le matin et je fais ça. Donc, je laisse mon ménage tranquille le matin, hein, j'ai le temps. Après, j'ai toute la journée pour le faire. Donc du coup le matin je prends bien une heure pour faire ça parce qu'après il faut le changer. Là en plus il est en mode je me mets de l'eau sur la tête, voilà. Le transvasement ce matin c'est non. Et du coup j'étais en train de vous dire que quand s'est levé, que je me suis levée c'est vers 7h, Logan il s'est levé vers 7h30. Car là 7h30, bon Franck est parti travailler à 3h30 du matin, hein, et Dylan je crois 5h. Et Jordan vient de se lever. Là, j'ai déposé Carla ce matin avec Jordan à 9h à son boulot. Et puis là, on est revenu. Je me suis refait un petit café. Là, il y a toujours la piscine parce que des fois, je lui mets la petite piscine aussi sur le balcon. Vous allez me dire, j'ai la mer, mais avec les touristes, le coronavirus, enfin bref. Et beaucoup de monde sur la Ciotat. Donc, du coup, ben, j'exploite mon petit balcon que j'ai en fait, voilà. Donc on est sur des jeux d'eau. Donc j'étais en train de vous dire ben, que ben voilà, donc qu'on s'est levé tranquillement, on a déjeuné, là le et là on joue tranquillement, voilà. Oui mon chéri, oui, qu'est-ce que c'est le bazar, hein, c'est doudou tétine. Ah oui, il reprend un petit peu la tétine là récemment. Il reprend un petit peu la tétine, donc du coup ben, je le lui laisse. Après de temps en temps, moi je préfère parce que du coup ça le. Il y a des moments où il se calme quand même, où ça le canalise, donc je préfère. Oh mon bébé. Le bébé de sa maman, ça. On joue plus? Donc voilà, là je vais finir de boire mon café. Donc du coup, j'ai plié la petite table comme vous voyez qui se plie en fait. Que Franck m'a mise. Donc la petite, ça lui fait quand même petit espace, mais bon, ça me suffit. Donc là, il joue. Et puis voilà. Toujours avec l'aide de mes acolytes. Voilà, ils sont toujours là. Toujours, ils sont là. Luna, vous savez qu'on la voit jamais, elle est toujours sur le lit à Dylan. Et eux, ils sont toujours là pour voir en mode de ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Enfin voilà. Allez, je vais continuer à jouer avec Logan et je vous... Thank you.
je vous reprends. Il est 10h37 exactement. Je suis dans ma voiture. Il fait 10h37 et il fait déjà 30 degrés. Voilà, 30 degrés. Il fait super, super, super chaud. Demain, ils annoncent 40 voire 44. Alors demain, je sortirai pas. On restera à la maison, hein, tranquille. Là, je m'en vais à la poste parce que j'ai le recommandé pour mon employeur à envoyer. Ben voilà, je suis toujours à la bourre. Hein. J'ai fait ma lettre, mais je n'ai pas envoyé. Bon, j'ai jusqu'au 4 puisque je dois reprendre le 4, donc il faut que je l'envoie. Il faut que je l'ai envoyé un mois avant la date de reprise. Donc je dois reprendre le 4 septembre, donc il faut que je l'envoie avant le 4 août. Donc je suis limite, mais bon, je suis limite. Voilà, donc je vais à Logan, il est avec Jordan, il le garde un petit peu, j'ai essayé de pas le coucher ce matin, il était à deux doigts, j'ai essayé de pas le coucher ce matin parce que cet après-midi j'ai un rendez-vous personnel, et du coup Franck il va rentrer du boulot vu qu'il s'est levé quand même à 3h du matin, il va aller faire la sieste et j'aimerais qu'il fasse la sieste avec Logan quoi. Donc du coup je ne l'ai pas couché, comme ça il se couchera avec Franck tous les deux dans le lit. Et moi j'irai à mon rendez-vous et puis voilà. Là si j'ai le temps, je vais essayer de passer chez Jiffy. Si j'ai le temps parce qu'il est déjà 11h moins 20, ça va dépendre à quelle heure je vais sortir de la poste. Puis voilà, j'avais Maison du Monde aussi à aller voir, mais je pense que ça sera pas possible. Demain soir, je récupère Carla à son travail et on va aller chez Kiabi à 4h30, chez Kiabi et chez Kiko, parce qu'on voudrait se prendre des maquillages. Et moi, je voudrais voir un petit peu si je trouve des t-shirts de Disney à Kiabi, parce que je sais qu'il y en a pas mal. Pour pouvoir partir justement la semaine prochaine, pour pouvoir être dans le thème du Roi Lion. J'en ai déjà un du Roi Lion, mais j'en voudrais un deuxième. Et puis voilà. Donc faire notre petit shopping entre filles, comme on a l'habitude de le faire tout le temps. On ne veut pas casser ce rituel-là, parce qu'on a toujours eu l'habitude de faire des trucs ensemble. Et c'est pas parce qu'il y a Logan qu'on va arrêter. Voilà. Donc j'y vais vite parce qu'il est déjà moins 20 et puis ça passe. Allez, j'y vais à tout à l'heure. Bon, ben il est exactement midi moins 20. Je viens de rentrer de la poste et je viens à peine de rentrer maintenant. Autant vous dire que je ne suis pas passée chez Jiffy, je ne suis pas passée chez Maison du Monde, je n'ai rien fait. Pour la petite histoire... j'avais plus d'enveloppe, donc du coup je me suis arrêtée chez Monoprix, un petit truc où c'est vite fait, donc j'ai acheté l'enveloppe et après je suis allée à la poste, et à la poste bien sûr il y avait du monde, donc du coup ben voilà, ça prend du temps. Donc en tout cas le recommandé est fait, est parti, c'est déjà une bonne chose. Là il est midi moins 20, donc je vais préparer à Logan à manger. Franck et Jordan ont des pâtes à la carbonara. Moi j'ai pas du tout envie de manger ça, donc je pense que je vais me faire une salade verte avec des petits morceaux de tomates cerises et une tranche de jambon, ça ira très bien pour ce midi. Voilà, j'ai pas du tout envie de manger les pâtes à la carbonara. Là en tout cas je vais me boire un petit coup de dehors, je vais boire de suite parce que il fait très chaud. Donc voilà, donc on va manger. Je sais pas si je vais endormir Jordan. Jordan. Je sais pas si je vais endormir Logan. Moi, ou si c'est Franck qui l'endormira, comme ça il se couche avec lui. Je sais pas. Je vais lui poser la question. Je vais lui envoyer un petit message pour savoir. Parce que comme c'est lui qui le garde cet après-midi, ben, c'est lui qui va gérer tout ça. Là, il est là. Voilà, là il est en mode choupi. Il est en mode choupi, donc tant qu'il s'est pas endormi ce matin, donc déjà c'est pas mal. Donc on a joué, là il a joué avec tu peux avec Logan, Jordan ce matin. Moi j'ai joué avec lui ce matin à l'eau. Je l'ai changé parce que
Il était en mode je me mets de l'eau sur la tête et aucun, pas du tout le jeu de transvasement. Je vous remonte, c'est mieux. Donc du coup, je l'ai changé et je l'ai mis à l'aise parce que de rester avec le ventre mouillé, c'est pas agréable et puis après il peut avoir mal au ventre. Voilà, donc je vais vite préparer à manger et je pense que je vous reprendrai, mais vraiment plus tard, enfin, je pense. Hein. Parce que s'il y a mon rendez-vous, je sors tard. Je sais pas, je verrai comment se découpille la journée aujourd'hui. Bon, en tout cas, je vous laisse et à tout à l'heure. Bon, voilà, je suis en train de manger. Ben, bon appétit. Hein. Je mange seul avec mon fils Jordan. Moi, salade, jambon, maïs. Et Logan, il y a piqué un nugget malgré qu'il vienne finir il vient de manger du poisson, des haricots, une mousse au chocolat et une compote. Et là, il remange un nugget. Tout va bien. Bon, voilà, je vous reprends bien plus tard puisqu'il est 9h30 exactement. Voilà, je suis allée au jardin arroser et j'ai fait ma petite cueillette du jour. Donc, du coup, j'ai eu une petite tomate que je vais laver et 5 petites fraises. Voilà pour la cueillette du jour. Et je pense que demain, je pourrai cueillir 3 courgettes. Donc voilà, donc je suis assez ravie. Voilà, je suis revenue assez tard de mon rendez-vous en fait. On va dire pratiquement 19h. Du coup, après, branlement de combat pour le repas, pour les douches, ça va, papa il avait géré, donc ça va, tout va bien. Donc, branlement de combat pour le repas et tout. Puis finalement, en ce moment, on fait que ça. Finalement, on s'est fait livrer. Bon, en même temps, les vacances aussi, ça rythme avec plaisir. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ça rythme comme ça. Donc, du coup, mon fils Jordan, il m'a dit, maman, t'embête pas, ce soir, c'est moi qui paye le repas, et on, du coup, on s'est fait livrer. Donc, c'était assez rigolo que ce soit lui qui paye, assez sympa, et puis il était tout fier en plus. Il était tout fier de nous offrir la petite livraison, parce qu'en ce moment, on fait beaucoup ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des familles où ils vont sortir, où ils vont aller au resto, tout ça, et nous, c'est vrai qu'avec Logan, c'est compliqué, donc du coup, ben, on se fait des petits plaisirs autrement. En même temps, c'est les vacances, hein, voilà. Après, quand ça sera la rentrée, on reprendra les menus. Je vais essayer de refaire un rééquilibrage alimentaire pour moi. Parce que j'en ai un petit peu besoin, on va dire. Hein. Ne nous le cachons pas, hein, c'est la réalité des choses. Hein. Et en fait, je pense que je vais aller faire une prise de sang. Parce que je pense que j'ai des doutes. Si j'ai pas le diabète qui est revenu, donc j'ai des doutes parce que comme j'ai eu le diabète gestationnel pendant toute ma grossesse, je me dis est-ce que je l'ai refaite la prise de sang quand j'ai accouché, mais je suis pas sûre que en fait quand je l'ai faite elle était négative en fait, les hormones tout ça c'était redescendu et du coup je pense avoir j'ai des doutes. Maintenant je suis pas médecin, je vais pas me certifié, mais bon, au niveau de la prise de poids, j'ai des sérieux doutes. Voilà, après, c'est la réalité des choses. Hein. Le problème, c'est que quand on fait une grossesse tardive comme ça, comme moi, enfin tardive, je suis tombée enceinte à 41 ans, j'ai accouché à 42, puisque Logan est né la veille de mes 42 ans, parce qu'il est né le 13 avril, et moi, je suis née le 14 avril. Donc, du coup, on va dire pour les 42, hein. En fait, je ne suis pas. Je l'aurais eu 44, ça ne m'aurait absolument pas posé de problème. Voilà. Vraiment, hein, je voulais tellement que j'aurais été jusqu'à 45. Après, je m'en foutais de l'écart avec mes grands. Mes grands, ils ont eu du mal à l'acceptation, puis après, ça a été. Et maintenant, tout le monde est content. Voilà, tout ça pour dire que. Quand j'ai été voir ma gynéco la dernière fois, elle m'a marqué une prise de sang justement pour voir ça et pour voir les hormones parce que comme vous savez, j'ai eu beaucoup de piqûres d'hormones parce que j'étais rentrée en PMA.
Donc du coup voilà, donc j'étais rentrée en PMH, donc j'ai eu beaucoup d'injections d'hormones, et ça m'a fait un dérèglement hormonal, ce qui fait que j'ai fait la prise de poids, parce que mon poids normal il est dans 58 60, j'ai jamais été trop au-delà quoi en fait. Et pendant ma grossesse, j'ai pratiquement pas pris de poids, on va dire allez, 7 kilos pour toute la grossesse, parce que je me suis pas alimentée, parce que qui me suivent savent que j'ai fait une vidéo où j'expliquais dans une story time, où j'expliquais un petit peu mon parcours PMA et mon parcours pour avoir Logan quoi en fait. Et j'expliquais que en fait j'étais rentrée en PMA et j'ai eu des injections, tout ça, et ça a été j'ai eu une grossesse très 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 compliquée. Voilà, avec tous les problèmes de santé qui en résultent, puisque j'ai des problèmes, j'avais une malformation cardiaque, je suis déficiente en protéines S, ce qui fait que j'ai le sang qui coagule ou qui coagule pas, je sais plus trop, donc je suis à risque d'embolie pulmonaire en plus de tout ça. Donc risque d'embolie pulmonaire, la circulation qui est plus lente, puisque j'ai une asystolie du rythme avec une bradycardie. Donc du coup, ça, plus ça, et puis vous savez que quand vous êtes enceinte, vous avez le rythme qui ralentit. Donc déjà que moi, il était ou il ralentit ou il augmente. Voilà, ça c'est... Moi en tout cas, non, il avait augmenté, je dis des bêtises. Il avait augmenté parce que quand j'ai accouché, ma gynéco, elle m'a fait, je sais plus, c'était une écho, je sais plus. Et elle me dit, ouh, c'est impressionnant, votre cœur qui bat très lentement. Je dis oui, je sais. Donc, je fais une bradycardie avec une asystolie du rythme. Et donc, du coup, ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait que j'étais grossesse à très haut risque. Et ça s'est bien fini finalement. J'ai rien eu. Bon, j'ai eu des bas de contention, j'avais du cardiaque. J'avais. Oh, je pouvais, et, ah oui, aussi, je ne vous ai pas dit. C'est parce que aussi j'avais la thalassémie. Donc, j'ai la thalassémie. La protéine S, donc déficience en protéine S, plus le diabète, plus le problème cardiaque. Donc j'avais quatre facteurs qui fait que j'étais à risque. Donc du coup, c'est pour ça qu'on avait ouvert une fenêtre thérapeutique, comme on appelle ça. Donc on savait qu'on me déclenchait en la 38e ou 39e semaine. Voilà, on savait que j'allais pas au-delà. Et parce que du coup, quand vous avez le diabète, vous risquez d'avoir des bébés macrosomiques, comme on appelle. Et les bébés macrosomiques, c'est des bébés qui dépassent les 4 kilos. Ce qui s'est passé pour mes précédentes grossesses. Mais je ne savais pas que je faisais un diabète gestationnel, puisque à l'époque, ils ne faisaient pas le test, quoi, en fait. Bon, enfin bref, parenthèse, tout ça pour vous dire que j'ai été à mes rendez-vous et je dois faire les prises de sang pour valider mon ressenti, enfin. Donc on va voir. Si j'ai le diabète, il va falloir que je fasse un régime, de toute façon, un rééquilibrage, ça c'est certain. Donc je pense que voilà. Et j'ai une mammographie aussi à faire, parce que j'en ai jamais fait, j'ai quand même 43 ans, donc du coup, il faut absolument la faire, cette mammographie. Donc il va falloir que je prenne un petit peu le temps de faire tout ça. Et puis voilà. Là, Logan il est couché, tout le monde est parti à ses occupations. Dylan, je crois qu'il est sorti. Franck, il est couché aussi parce qu'il se lève. Il se lève, comme vous le savez, à 3h du matin. Enfin, 3h30, quoi. Puisqu'il commence à 4h ou 4h30, un truc comme ça. Carla aussi est couchée, mais dans sa chambre, je l'entends parler. Donc, à mon avis, elle est au téléphone. Voilà, moi, je suis tranquille dans la salle à manger, puisque Logan il dort, parce que je viens de le dire. Là, voilà, j'ai nettoyé mes petits légumes que j'ai cueillis ce soir. Je me suis fait bouffer par les moustiques. Ah, je ne vous ai pas raconté aussi. Je sais pas si je vous ai raconté que quand je suis partie dans les Alpes, je me suis fait piquer par une araignée. Je ne vous ai pas raconté. Alors, là, pour la petite histoire, c'est quand je suis partie dans les Alpes, il y a eu un soir où j'avais un peu chaud. Je disais à Franck, ouvre la fenêtre, j'ai très chaud. Donc, il ouvre la fenêtre, il croit une heure après, je sens... Une pression en fait sur ma cheville,
Et je lui fais, aïe, et je me gratte, gratte, et je me dis, tiens, putain, j'ai ouvert la fenêtre, et il y a un moustique qui m'a piqué. Le lendemain, j'avais une cheville gonflée, gonflée, et boursouflée, rouge, rouge. Et en fait, je vais à la pharmacie, la pharmacienne, elle me dit, vous vous êtes fait mordre. Moi, je la regarde, je fais, mais mordre, mais par quoi? Moi, pour moi, la morsure, c'est serpent ou chien, quoi. Je n'ai pas pensé à araignée, parce que moi, araignée, je dis piqûre, alors en fait, c'est une morsure. Elle me dit, oh, à mon avis, vous êtes fait piquer par un scorpion ou une araignée. Je dis, un scorpion, mais qu'est-ce que vous me racontez? Elle me dit, oui, dans le sud, vous savez, on a beaucoup de scorpions. Hein. Donc, il dit, ma foi. Et peut-être, et en fait, en voyant, j'ai été chercher sur Internet, piqûre de scorpion, piqûre d'araignée, et ça ressemblait vraiment à une piqûre d'araignée parce qu'il y avait vraiment les deux points. Enfin, une piqûre, je dis piqûre, mais c'est une morsure, en fait. Et ça fait vraiment les deux points, mais j'ai eu quand même. Ma cheville gonflée, donc elle m'a donné un truc pour le gonflement. Donc il y avait quand même un truc à la base de cortisone, un corticoïde, comme ils appellent. Donc du coup, je me suis mis ça, mais j'ai gardé quand même la marque pendant un moment. Donc là, ça fait un moment, ça fait combien de temps? Ça fait samedi, ça fait une semaine. Qu'on est parti et je vous montre ma cheville. Voilà, donc là vous avez toujours là il y avait les deux petits points là. Il y a toujours la marque et c'est un peu moins rouge, mais vous voyez, voilà, si je lève, c'est encore toujours un petit peu rouge autour, mais là j'étais rouge comme ça, tout là là, et tout gonflé. Alors du coup, j'ai mis ma pommade antibiotique, donc je me suis un petit peu affolée. Je me suis dit, putain, heureusement qu'il m'a piqué à moi, quoi, ce truc. Parce que, imagine, c'est genre Logan. Et après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'il a eu la fièvre comme ça quand on est monté à Orsay dans les Alpes. Je me suis dit qu'il a eu la fièvre, j'espère que c'est pas parce qu'il s'est fait piquer. Alors après, j'ai psychoté, tout ça, j'ai regardé partout sur lui s'il n'avait pas une piqûre, quelque chose ou quoi. Finalement, il n'y avait rien, c'était bien qu'il était enrhumé parce qu'il avait quand même le nez qui coule, tout ça. Mais je me suis dit qu'il ait eu la fièvre d'un coup comme ça. Tu vois pas que ça soit l'araignée ou le scorpion qui a piqué. Donc j'ai raconté ça à Franck, il me dit, mais arrête de psychoter et tout. Mais bon, sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être ça. Bon, j'ai rien vu sur son corps, tant mieux. Bon, vous me direz, tant mieux que ça m'a piqué à moi parce que ça aurait piqué à lui. Il aurait eu autre que la boursouflure que j'ai eu moi. Mais en fait, je l'ai senti quand elle m'a piqué. Hein. Parce que quand elle m'a piqué, j'ai senti une pression et je me suis grattée. Et en dormant, je me suis dit, c'est un moustique, quoi. Puis voilà. Voilà. C'était pour la petite histoire du soir. Voilà, donc là, ça vire à. Ce vlog vire, en fait, à une face cam. Donc, du coup, ça se transforme vraiment plus. C'est plus du tout un vlog. Hein. Je vous ai pas filmé ma journée. Ce moment, c'est du n'importe quoi. Hein. Voilà. En tout cas, vous aimez bien mes vidéos que je vous tourne de ménage, des routines, des motivations ménage. Si vous aimez bien, mettez-moi-le en commentaire. J'essaierai de vous en tourner d'autres. Voilà. En tout cas, je suis contente parce qu'on me dit dans les commentaires que quand je filme le jardin, ça plaît énormément. Donc, vraiment, je suis contente parce que j'ai toujours l'impression de vous barber, de vous saouler avec mon jardin. Donc, je suis assez contente que ça plaise, quoi, en fait, voilà. Parce que je fais passer un petit peu ma passion, entre guillemets, parce que c'est une passion tardive. J'ai jamais jardiné, hein, honnêtement. Je vous l'avoue, j'ai jamais jardiné. Mais là, je prends plaisir à le faire. Je pense que en mûrissant, on va dire, on acquiert et on a envie de choses qu'on n'a pas envie forcément quand on était plus jeune. Voilà. C'est sur cette note positive que je vais vous laisser parce que je m'évade dans mes propos. Voilà, bon, alors écoutez, je vais vous laisser ici. Je vais essayer de vous faire une vidéo demain un peu plus, on va dire, un peu plus vlog. C'est sûr, parce que demain je descends à Kiabi avec Carla, donc on va aller s'acheter des tenues pour Disney dans le thème du royaume. Je crois que je vous l'ai dit ce matin. Déjà, on a fait du repérage sur internet, alors j'espère qu'il y aura de quoi.
Et puis on va s'arrêter à Kiko, puis on va passer notre fin d'après-midi ensemble. Puis je crois qu'après, ma voisine, elle m'a dit qu'on fait un apéro au jardin. Il y a un monsieur, en fait, qui a une parcelle et qui a proposé, en fait, qui a proposé de faire un apéro demain soir. Si chacun porte un truc, en fait, ben, je trouve ça très très sympa. Et c'est le but aussi du jardin partagé. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous laisser ici. Si cette vidéo vous a plu, toujours pareil, un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à très très vite dans un prochain vlog, une prochaine vidéo, une prochaine routine, ben, n'importe quoi. Mais je vous dis à demain. Ciao ciao!